Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais enfin pouvoir vous faire une vidéo que je veux faire depuis très longtemps sur ma chaîne. C'est une vidéo pour vous parler de ma passion pour les FMV, pour Full Motion Video. Alors les Full Motion Video, c'est vraiment un style particulier. C'est un style avec de jeux souvent adaptés au point and click, mais il n'y a pas que ça, on le verra dans la vidéo. Mais donc avec des scènes de cinéma réelles. Enfin, je dis de cinéma, plutôt des scènes filmées, parce qu'en général, la qualité est plus proche du téléfilm, voire du film érotique de M6 le samedi soir. En tout cas, vous verrez, c'est quelque chose que moi, j'adore, vraiment. Et j'ai coupé cette vidéo en trois parties, parce que je pense, pour moi, il y a vraiment eu trois grandes étapes du FMV. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez très bien, je vais vous parler plus de mon ressenti en travers des jeux. Je ne vais pas vous faire une vidéo Wikipédia en vous disant telle année, tel truc, en lisant des fiches. C'est pas mon truc du tout, ça, on s'en bat les roubignoles. Ici, on a la bonne quéquette, la bonne franquette. Bref, la première étape pour moi vraiment après l'arcade, c'était celle avec les jeux FMV PC, surtout des point and click, des jeux d'aventure, mais pas que encore une fois. Ensuite, on a eu la période avec la 3DO et le Mega CD, donc les premières consoles qui avaient un lecteur CD-ROM. Donc il y a eu pas mal de jeux FMV qui sont arrivés sur ces consoles-là. Pareil, c'était très particulier, là on était plus proche de l'arcade que du point and click. Et ensuite, c'est tombé en longtemps à l'oubli pendant presque 10 ans. C'est revenu avec les consoles actuelles, principalement avec deux studios. L'un via un créateur qui s'appelle Sam Barlow et l'autre via le studio Wells Interactive qui sont au Pays de Galles, donc comme leur nom l'indique, et qui sortent beaucoup de jeux FMV. Alors beaucoup de noms qui vont sortir, certaines boîtes, certains noms, il y a quelques images de jeux, je vais essayer de voir. C'est dommage parce que moi j'ai beaucoup de CD-ROM mais j'ai un ordinateur qui n'a plus de lecteur CD-ROM. Bref, on va commencer tout de suite en parlant d'abord de l'ancêtre des jeux FMV qui est lui pas vraiment avec des films, c'est plutôt du dessin animé. Ce jeu personnellement je suis pas très fan même si je l'ai dans ma collection parce que je suis un passionné. Ce jeu dont vous devez connaître c'est Dragon Slayer, ici disponible dans sa version Dragon Slayer Trilogy. Donc Dragon Slayer était sorti d'abord en arcade, c'était une grosse baffe technique, c'est encore aujourd'hui très fort techniquement parce que c'était un vrai dessin animé dans lequel on pouvait interagir avec des QTE. C'était aussi l'ancêtre des QTE d'ailleurs, avant Shenmue, avant les jeux de David Cage et compagnie. C'est un très mauvais jeu, c'est un jeu magnifique, c'était une baffe technique. Après il est sorti sur PC, il est sorti un peu sur toutes les consoles, sur Mega CD, jusqu'à cette version PlayStation 4. Il est aussi disponible sur Xbox One, mais uniquement en téléchargement payant, probablement sur Switch aussi. Il était déjà disponible sur Xbox 360. Sur cette compilation là, il y a également Space Ace, qui est une variante de Dragon Slayer dans l'espace, qui est un petit peu mieux parce que les cinématiques sont plus longues. Et le très très beau Dragon Slayer 2, qui lui aussi est beaucoup plus joli, les cinématiques sont plus longues, mais qui est totalement injouable, infinissable pour un joueur comme moi. Bref, c'est très très mauvais, c'est vraiment très nul, mais pour un historien comme moi du FMV, c'est un indémodable et vraiment quelque chose, une leçon d'histoire, en plus d'être un très mauvais jeu. Ça, c'était pour la petite aparté sur l'arcade. Maintenant, venons à la base sur le jeu PC, parce que dans les années 90, comme je l'ai dit, il y a eu énormément, c'était la fête au point and click. On avait une grosse étape d'abord avec les point and click 2D, il y avait quelques essais aussi avec des point and click 2D avec des décors 3D. Ensuite est venue la révolution FMV, tous les gros studios s'y sont mis, de Virgin Interactive en passant par Sierra Games, ils étaient tous dedans, je pourrais pas vous citer tous les studios. Je vous parlais de Sierra, ils avaient fait des grandes séries en FMV, notamment la série des Phantasmagoria. Alors je vous donne sans ordre de préférence, vraiment je prends les disques qui sont sous ma main, sinon on va pas s'en sortir. Donc la série des Phantasmagoria qui est d'abord sortie avec Phantasmagoria 1, où on jouait une gonzesse qui était dans une sorte de maison hantée, et à chaque fois qu'elle revivait certains lieux, on pouvait voir des meurtres qui étaient commis. C'est plutôt bien réalisé. Techniquement, au niveau du jeu, au niveau du point and click, c'est assez simpliste. Donc du coup, les amateurs de casse-tête, surtout que les jeux Sierra en point and click étaient très difficiles. Donc du coup, Phantasmagoria passait un peu pour la version casual des jeux Sierra, sauf que c'était pas du tout casual parce que c'était très porté un petit peu sur l'érotisme. Ouais, on avait la meuf qui se baladait en nuisette, il y avait quelques petits souvenirs comme ça, mais surtout assez gore, avec un magicien qui torturait, je crois que si je me rappelle bien, parce que ça fait très longtemps, je ne peux pas y rejouer malheureusement, comme je dis, j'ai pas de lecteur CD-ROM. Et le magicien torturait ses ex-femmes, et donc du coup, elle revivait chacune des morts de ses ex-femmes dans cette maison-là, d'où le terme Phantasmagoria. En plus, du coup, on voyait, on avait toutes ces boîtes-là. Moi, j'ai pas gardé la grosse boîte, mais j'ai gardé quand même les boîtes en disque, et on avait plein de disques. Celui-là, il doit être en 7 CD. Voilà. C'était des CD, même pas des DVD encore. Ensuite, après Phantasmagoria 1, qui avait visiblement du succès, on a le droit à Phantasmagoria 2, Obsession Fatale. Excellent jeu. Pour la petite anecdote, Phantasmagoria Obsession Fatale, vous aviez une sorte de pub à la maison que vous pouviez recevoir avec les catalogues de jeux vidéo et vous pouviez recevoir le CD1 de Phantasmagoria 2 dans cette boîte là et vous pouviez avoir toute la première partie du jeu
gratuitement. Ensuite, vous pouvez, ça vous donnait comme une démo et vous avez ensuite les CD 2 à 5 pour avoir la suite, ce que j'ai acheté parce que moi j'ai essayé donc le CD 1 et j'avais adoré. Phantasmagoria 2, déjà c'était beaucoup mieux réalisé. C'était un petit peu plus profond, même si ça restait assez simple dans ses mécaniques point and click. Mais c'était plus pro dans, au terme de jeu. Et c'était encore un niveau au-dessus. Au niveau de l'érotisme, il y avait des séquences de bondage. Donc on joue un gars dans son bureau qui a des troubles de la personnalité. Il est un petit peu schizophrène, même complètement, parce qu'il parle à son rat qui s'appelle Ratoun ou Ratus, je ne sais plus. Tout ça, c'est des souvenirs qui remontent à 25 ans en arrière. Et donc il parle à son rat. Et là, donc sa petite amie avec qui ça se passe, mais sa petite amie qui est un petit peu coincée du cul, un petit peu frigide. Et à côté de ça, elle a une collègue de boulot qui, elle, est dans une tendance plutôt gris, 50 nuances de gris, assez bondage SM. Et donc vous allez décider, vous avez aussi des choix moraux comme ça, est-ce que vous allez craquer pour la collègue ou pas. Et si vous craquez pour la collègue, ce qu'on a tous fait, ce que je vous conseille de faire, vous aurez même des séquences BDSM. Très soft, hein, limite Hollywood Night pour ceux qui connaissent, pour les anciens. Mais c'était quand même émoustillant pour le jeune adolescent qu'on était. Surtout que c'est des vraies actrices, c'est plutôt canon en plus. Et des séquences évidemment gore, assez bien foutues. Alors ça a dû prendre un coup de vieux sur les effets spéciaux, mais vraiment bien foutu. Et c'était un jeu super prenant, même si évidemment, comme le jeu, vous avez vu, il n'y avait pas le PEGI à l'époque. Donc du coup, moi je l'achetais les trucs, mais je jouais quand même en scred, avec un œil sur la porte pour éviter que ma mère rentre et se demande, merde, à quoi il joue avec des gens qui se font arracher la tête et des séquences BDS. Alors Sierra toujours avec un autre jeu culte FMV que Sierra a sorti, qui était la suite d'un de leurs jeux cultes en point and click. Ce jeu c'est Gabriel Knight 2, The Beast Within, qui est un super jeu, un de mes point and click préférés. Celui-là est très mal aimé. Il est très mal aimé pour deux raisons. Parce que déjà, principalement, le personnage qui joue Gabriel Knight, qui ressemble au Gabriel Knight qu'on avait vu dans Gabriel Knight 1, a vraiment une tête de cul. Mais vraiment, ils ont pris un gars qui on dirait Julio, je sais pas quoi. Il sort d'une série ou d'un téléfilm érotique, encore une fois. Mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'il a une gueule particulière. Et surtout, le doublage français est catastrophiquement drôle. Et pourquoi les empreintes trouvées sur la place indique un animal plus gros que l'espèce du zoo Canis lupus lupus. Mais vraiment, il y a des trucs vraiment super. Par exemple, je me souviens que quand on cliquait sur le talkie-walkie, bah, il avait une réflexion, il disait un walkie-talkie. Et du coup, je m'amusais à faire ça quand des gens venaient. Et je faisais ça 6 ou 7 fois de suite et ça m'amusait beaucoup. Bref, c'était voilà, perdu. Il y avait des PNJ qui surjouaient de ouf, qui biglaient, qui avaient un accent allemand parce que ça se passe en Bavière, hyper abusé. Mais voilà, c'est tout le sel que moi j'aime dans les FMV, ce côté vraiment grotesque, burlesque, série Z. J'aime les films trauma pour vous dire à quel point j'aime la série Z. Mais voilà, l'histoire en elle-même est vraiment super parce que c'est une histoire de loup-garou. Et il y a une... du coup, on a les liens avec les ancêtres de Gabriel Knight qui se retrouvent donc en Allemagne. En même temps, on joue aussi Grace qui est son assistante asiatique et qui donc elle parcourt la Bavière de son côté. On joue les deux personnages et aussi à ce côté un petit peu érotico avec le méchant, il est un petit peu homo. Et donc du coup, il y a toujours ces petites insinuations qui étaient plutôt rigolotes entre le héros qui lui est plutôt coté comme un homme à femme et le mec qui lui fait des appels de pied et tout ça. Et vraiment, c'est très très bien écrit. C'est super et c'est vraiment un jeu à redécouvrir. Faut que je trouve un moyen. Si vous avez des moyens pour rejouer à ces jeux, parce que vous avez vu, j'ai les copies originales, donc normalement j'ai le droit d'avoir une version téléchargeable. Si vous avez trouvé un moyen pour y jouer maintenant sur un Surface, dites-le moi parce que vraiment j'ai envie, je veux, rêve de rejouer à ces jeux-là. Alors on a eu plein d'autres jeux dont j'ai plus les boîtes mais qui sont sortis sur PC, mais vraiment c'était la fête du slip. Il y en avait qui sortaient tous les mois. Il y avait par exemple Reaper. Alors j'ai très peu de souvenirs de Reaper. Je sais qu'il y avait Christopher Walken qui jouait le rôle principal dedans. J'en ai très peu de souvenirs. Alors je ne sais plus s'il était bien ou pas. Il y avait le Dahlia Noir que j'ai jamais fait. Dans le Dahlia Noir, il y avait Dennis Hopper, donc j'aurais beaucoup aimé le faire. Pareil, il faut que j'essaie de trouver un abandon noir ou quelque chose. Il y avait un jeu qui m'émoustillait beaucoup, que j'aurais aimé faire, mais je sais que le jeu n'est pas bon, c'était The Daedalus Encounter, et dedans ça m'émoustillait beaucoup, parce que j'adorais Tia Carrère, j'étais très amoureux de Tia Carrère, qu'on a pu voir entre autres au Cinefox l'Aventurière, ou dans True Lies plutôt, moi j'étais dans True Lies que j'ai craqué, et bref, elle jouait dedans, et donc du coup, l'ado que j'étais, était très émoustillé par les premières images, j'y ai jamais joué, mais ça avait l'air un petit peu chelou, avec une sorte de, je crois qu'on joue le vaisseau dedans, et les personnages nous parlent directement. Il y avait un autre jeu aussi, que j'ai pas pu faire, qui s'appelle Urban Runner.
Celui-là, j'aurais beaucoup aimé le faire. J'ai l'impression que c'était une production européenne, celui-là. Et quand on voit les images, bah vraiment, on a vraiment l'impression, même pas de voir un film érotique, mais un porno. Mais un porno amateur vraiment mal dégueulasse, tout dégueulasse, avec une photo à 2,50 francs que moi j'aurais pu faire là. Je suis sûr que la photo là, avec mon éclairage pourri, est mieux que celle de Urban Runner. Et ça avait l'air vraiment particulier et celui-là me parlait beaucoup. Il y a aussi la série des Wing Commander. Là, on est en dehors du point and click pour sortir un petit peu du point and click. On avait Wing Commander 3 et 4. Qui là peuvent parler à plus de joueurs, parce que ceux-là sont sortis aussi sur PlayStation 1. Il y avait aussi pas mal de CD. Et donc on jouait comme les anciens Wing Commander 1 et 2. Donc on jouait des batailles spatiales. Pas fofolle hein, non plus. Moi j'aimais bien, mais moi, pour vous dire la vérité, je regardais les cinématiques et je me mettais en invulnérable pour réussir les missions. Mais ce qui était génial, c'était ces cinématiques dedans. Et on avait plein de personnages dedans. On avait celui qui joue Biff, j'oublie toujours son nom pour moi, c'est Biff de Retour vers le futur, qui jouait Maniac. Maniac, un de mes personnages préférés de l'histoire du jeu vidéo. Il était fantastique. Même le doublage français était terrible. Je parie que vous passez vos nuits à faire briller vos galons. Non, je confie ce genre de travail à des majors. Majors. Le grade ne veut rien dire, c'est un trompe-l'œil. Nous savons qui est le meilleur dans un cockpit. Oui, nous le savons. Je continue mon histoire. Donc, Mark Hamill, légendaire Luke Skywalker, qui jouait donc le cœur de lion. Je ne me souviens plus du nom de personnage, je me souviens que son pseudo c'était cœur de lion. Et il y avait les Killratis. Qui étaient des gros chats, enfin des lions, mais on aurait dit des chats de l'espace, et vraiment c'était super. Il y avait Malcolm McDowell qui jouait le méchant en 4, avec toute une histoire de type danse vétéran de l'armée que t'as pris, c'était super. Tellement ça avait marché à l'époque, ils en ont fait un film. Ils ont appelé Chris Roberts, donc le créateur de la série Wing Commander, pour réaliser le film. Le film est une grosse merde, c'est vraiment très très mal foutu. Les Killratis sont encore pires que dans le jeu, dans le film. Bref, c'était les grands moments qu'on a vécu et ça sortait un petit peu de cette facilité du point and click pour les FMV. Pour finir sur ce qui est pour moi la plus belle époque du FMV, vraiment une époque qui m'aura fait rêver, où j'attendais tous les jeux qui sortaient, avec ma série préférée de tous les temps, avec Mass Effect, c'est ma série de jeux vidéo préférée de tous les temps, cette série c'est la série des Tex Murphy, et le premier de la série qui a été en FMV, parce qu'à la base il y avait déjà eu deux jeux, mais ils étaient en 2D classiques, c'est Under a Killing Moon, qui reste un épisode fantastique, on joue un détective du futur, donc Tex Murphy, après une grande guerre, donc du coup il y a des mutants maintenant, il y a eu des contacts avec les extraterrestres, pas mal de conneries comme ça. C'est joué par Chris Carter, directement, qui est lui-même le créateur de la série, c'est le scénariste, et il prête sa gueule et sa voix au personnage. Il est fantastique, c'est un super acteur, franchement, il est super juste, et c'est un vrai hommage au film noir des années 40, donc du coup il y a tout ce côté avec la Fedora, l'impair, et lui est vraiment super pour jouer l'anti-héros. C'est le mec qui gère, mais qui se fait casser la gueule à chaque fois, mais qui a des super déductions. La galerie de personnages secondaires est fantastique, vraiment. C'est un jeu qui se rejoue de tout le temps, constamment, qui est indémodable pour moi. Après Under a Killing Moon, qui a été un gros succès, il y a eu la suite, donc moi j'appelle ça la trilogie Tex Murphy, mais même pas, parce que maintenant, il y en a plus. Bref, il y a eu Pandora Directive. Celui-là, c'est le chef-d'œuvre de la série. Il est fantastique. C'est doit être le jeu que j'ai le plus fini dans ma vie. Je le finissais, franchement, sans mentir, une fois tous les mois, à peu près. Quand j'étais jeune, je le connaissais par cœur. J'ai écrit une soluce dedans. J'ai écrit une soluce au stylo. Elle est toujours dans la boîte. Vous voyez, c'est les seules boîtes PC que j'ai gardées. Et c'est un jeu vraiment fantastique. Il y a plusieurs fins possibles. Donc dans cette soluce-là, j'ai écrit tous les moyens d'arriver à toutes les fins possibles. En plus, il y a le mystère de Roswell dedans. Voilà. Et comme je disais, c'est un point and click. Donc il y a beaucoup d'objets utilisés. Et les déplacements, j'ai oublié de le préciser, sont en 3D. Temps réel. Donc on se déplace en vue première personne dans les décors, on fait nos interactions et ensuite on a les cinématiques qui se lancent. Et franchement c'est super, c'est long, c'est prenant, c'est drôle, c'est passionnant, c'est un super jeu. Et en plus, selon vos actions, les choix moraux jouent sur la fin. Pas seulement vos choix mais aussi vos actions. La série a été mise en pause longtemps avec cet épisode-là qui est très bien, mais qui était un petit épisode, c'est Overseer. C'était en même temps un épisode FMV qui faisait remake des premiers épisodes, parce que ça reprenait la trame du premier épisode de Tex Murphy qui était en 2D, mais ça le mettait avec des vrais acteurs. Techniquement, c'était beaucoup plus costaud, évidemment, le moteur 3D était mieux, les cinématiques étaient plus jolies, mais l'aventure était plus courte, et ça se finissait sur un cliffhanger assez ouf, où Tex Murphy se faisait tirer dessus, et sa copine kidnappée, donc on savait pas où c'est resté pendant, plus quoi, 20 piges, sans réponse. Ensuite, ils ont fait un Kickstarter, en 2014, je crois, pour Tesla Effect.
Et Tesla Effect, qui est le seul jeu que j'ai fait sur PC dans la décennie 2010, il faut le noter avec The Witcher, le premier du nom. Et du coup, j'ai pas fait le Kickstarter parce que le Kickstarter a passé très vite, mais je voulais acheter le jeu à sa sortie, ce que j'ai fait. Je l'ai acheté plein pot sur Steam, ça m'a fait installer Steam, je l'ai fait, c'était fantastique. C'est très bien si vous voulez découvrir, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'adaptation console. Il y a quelques passages un petit peu casse-couilles où on voit qu'ils ont manqué de moyens, mais vraiment, c'était pas à la mort, mais l'histoire est très très bien, il faudra que je me le refasse d'ailleurs. Et là, ils travaillent sur le 5e épisode en FMV. Je les suis sur Twitter, il y a très peu de nouvelles, je crois que ça fait un an qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais ils ont dit là, il y a 6 mois, que ça allait. Vous inquiétez pas, tout se passe bien, ça avance. Et je l'attends avec impatience et j'espère que ça va sortir sur console. Parce que sinon, je vais être obligé de trouver un moyen pour y jouer sur PC. En tout cas, voilà, pour moi, la série Tex Murphy, c'est ce qui représente le mieux le FMV. Là, si vous me dites, j'ai joué à Tex Murphy, c'est de la merde, on va pas être amis. Et même, je vous donne rendez-vous à Gare du Nord, quai B à 14h pour qu'on règle ça. Parce que là, vraiment, c'est le jeu du cœur et de l'amour. Voilà, on a fait un peu le tour de cette époque du PC. Bien sûr, il en reste. Hein, je suis sûr en commentaire, on me dit, tu n'as pas parlé de ça, ça, ça. Comme j'ai dit, je veux pas faire une liste exhaustive. Mais c'est vraiment pour parler en détail de mes coups de cœur. Maintenant, on va passer à l'autre époque du FMV, celle du Mega CD et de la 3DO, que je n'ai pas connue à l'époque, que j'ai énormément fantasmé à sa sortie, mais je n'ai jamais eu le Mega CD. Mon frère, j'avais la Mega Drive, mais mon frère a refusé d'acheter le Mega CD, il a senti que ça sentait la merde, il a dit non, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je bavais sur les jeux FMV qui sortaient en Mega CD. Il faut savoir, on avait un petit CD-ROM qui était petit comme ça, avait pas beaucoup de données, qui avait été donné dans un magazine, je ne sais pas, peut-être Mega Force, une connerie comme ça. Et donc, on le mettait dans son lecteur et on pouvait regarder en boucle une vidéo qui présentait les jeux Mega CD. Et dedans, on voyait des jeux comme Road Avengers, qui est un peu comme Dragon Slayer, était un jeu QTE, avec des dessins animés qui me, dans une ambiance un peu Mad Max, avec un type qui voulait venger sa femme au volant de sa voiture et qui avait l'air super, j'ai jamais fait. Mais donc ensuite, il y a eu d'autres jeux, et particulièrement les jeux de Digital Pictures. Digital Pictures, qui est une boîte américaine, qui ont sorti énormément de jeux sur Mega CD, et ensuite les ont sortis sur 3DO, et qui maintenant ressortent grâce à l'éditeur Screaming Villains, qui a repris les droits, et ressortent, et notamment vers son boîte avec Limited Run, ce qui me permet de les découvrir maintenant. Les plus connus de cette série-là, que vous allez voir ici dans sa superbe version Limited Run, c'est Night Trap. Donc Night Trap, c'était le jeu qui a fait le plus parler des jeux FMV sur Mega CD, parce qu'on avait ces petites séquences, dedans on a Dana Plato, donc, qui jouait dans Arnold et Willy, voilà la grande sœur qui a bien grandi, qui est plutôt jolie, et donc avec toutes ses copines dedans, on avait des petites séquences très, alors les gens disaient érotiques, non, on est plus dans du Hollywood Night, voilà, du thriller avec un tout petit peu de cuisses. Même pas de fesses, mais de la cuisse et du décolleté. Party! Music! Bref, on avait cette bande d'adolescentes qui sont invitées par une famille de vampires pour passer le week-end, mais elles ne savent pas que c'est des vampires, elles sont invitées par leurs copines pour faire la fête, et évidemment les vampires vont venir se nourrir, et vous êtes un agent spécial qui a piégé la maison et qui va devoir capturer les vampires et sauver les adolescentes. C'est un pitch tout con, je sais que le jeu s'est beaucoup fait torpiller, moi je l'ai découvert il y a quoi, 2 ans peut-être, je ne sais plus quand est sortie la version Limited Run, et j'ai adoré, mais vraiment j'adore, c'est presque un jeu de rythme. Il faut suivre les pièces, on a 6 pièces ou 8 pièces de la maison dans lesquelles interagir, et au bon moment, il faut activer le piège pour ne pas qu'elle se fasse attraper. Les cinématiques sont hilarantes. Alors c'est vrai, les gens se sont pris la tête, nanana, c'est du navet, c'est du Z. Vous avez jamais vu de Z? C'est vraiment, c'est décomplexé, les mecs n'ont pas de fric, et on voit tout de suite, on n'a pas de fric, on a des idées, mais on le fait quand même. Et moi j'adore ça, j'adore ce côté d'avoir un aspirateur pour donner l'impression que tu as un flingue, on le customise, on lui met quelques diodes, et ça fonctionne, voilà, c'est le système D. On a envie, on y va, on se lâche. Et vraiment c'est super drôle, moi j'ai fait pour le finir en faisant tous les trucs par cœur. C'est pas long quand on le connaît par cœur, mais sinon c'est super difficile. Mais voilà, c'est vraiment passionnant, moi j'adore Night Trap, c'est vraiment quelque chose de super. Et ça a été suivi après par un autre jeu que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc dernièrement, avec sa sortie aussi par Scream, grâce à Screaming Villain pour son 25e anniversaire. Ce jeu donc c'est Double Switch. Pareil, c'est exactement le même principe que Night Trap, mais en plus évolué. C'est-à-dire que c'est plus, on a un système de jauge qu'il faut remplir et on ne peut pas appuyer comme un malade. Les cinématiques sont mieux jouées. On a pas mal d'acteurs, encore une fois des belles gosses, mais là par contre ils ont mis, il n'y a pas d'adolescente, il n'y a pas de séquence un peu, il n'y a pas de cuisse à voir, donc du coup c'est un peu moins choquant pour les gens. Ils ont fait les preuves de pincettes. Bref, ça raconte l'histoire d'un hôtel, encore une fois,
Et dedans, il y a plein de gens qui veulent retrouver cet hôtel soi-disant étant un ancien temple maya avec un trésor caché. Et donc, il y a plein de gens qui veulent récupérer ce trésor, des gens de la mafia, des sortes de ninjas chelous. Voilà, et en plus de ça, t'as le gérant de l'hôtel, son fils, qui prend le contrôle du truc et lui est un petit peu starbé, l'amoureux d'une journaliste. Mais voilà, donc il la stalk mais veut la défendre. C'est de la série B, mais c'est vraiment l'éclate. Les pièges sont super à voir. Les mecs, quand ils surjouent, quand ils tombent dans les pièges, la façon qu'ils surjouent pour les esquiver ou tomber dedans, c'est vraiment super drôle. Et celui-là, vraiment, c'est un gros kiff. Alors, en plus de ça, Digital Pictures ne sont pas restés que sur le modèle des jeux à pièges. Ils ont aussi sorti d'autres jeux, dont un rail shooter. Vous savez, moi, j'aime les rail shooters, j'adore ça. Donc, vous mettez rail shooter FMV et ça donne Corpse Killer, qui est le dernier sorti sur Scream Villain. Donc, j'attends la suite. Et Corpse Killer, c'est un mauvais rail shooter et une grosse série Z en FMV. Et la première fois que j'y ai joué, honnêtement, j'étais bloqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me suis dit, mais des fois, où tu mets ton argent? J'y ai rejoué au calme, peut-être un mois après, l'esprit tranquille, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment super, franchement. Il y a tout dedans. Vous avez le mec qui joue le Jamaïcain avec les faux Rasta et qui en fait 3 tonnes dans l'accent. Yeah, man, this is man. Et c'est fantastique. On a encore une fois la journaliste blonde, toujours pareil. D'ailleurs, il y a à la fin, quand vous finissez le jeu, il y a une cinématique cachée qui se débloque où on la voit, elle, se pavaner en bikini. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intrigue du jeu, puisqu'elle joue une journaliste et il y a des zombies dedans. Mais elle se balade en bikini, il y a une longue séquence comme ça pour vous récompenser d'avoir fini le jeu. Bref, en plus de ça, on a des zombies qui ont des têtes absolument fantastiques. Et ce qui est super, c'est que les zombies qui sont utilisés dans les cinématiques qui vous attaquent, qui ont un maquillage plutôt correct, on va dire, il y en a 2-3, c'est pas les mêmes qui vous attaquent dans les séquences où vous faites du rail shooter, où là, les maquillages sont ridicules. On va voir des mecs comme si c'était des rappeurs, des gars avec des crânes, mais des crânes de tête, je sais pas, XXL, et des conneries comme ça, des trucs vraiment hors sujet, mais et ils planent, ils volent sur vous, il n'y a aucun feeling, mais vraiment, c'est vraiment très drôle, et moi, j'ai adoré. Alors, en plus de ça, moi, maintenant, j'attends. Il y a plein d'autres jeux qui sont sortis chez Digital Pictures. Il y avait un autre FMV Shoot 'em Up, qui s'appelle Sea War Shark, qui a l'air super, où on se balade en dessous l'eau, dans un sous-marin, ça ressemble un peu à l'aventure intérieure. Je ne l'ai jamais fait, donc j'attends qu'il ressorte chez Screaming Villain. Il y avait aussi un jeu de versus fighting en vue première personne, s'appelle Supreme Warrior, façon Mortal Kombat, avec des vrais gars qui sautent devant, on met des coups de poing, des coups de pied, pareil, celui-là, je veux le faire. S'il vous plaît, sortez le jeu, l'achète direct. Encore un autre jeu de combat aussi, il y avait un jeu de boxe qui s'appelle Prize Fighter. Celui-là, il est en noir et blanc carrément. Ils se sont fait un délire Ragging Bull. Et donc, on doit faire de la boxe pareil à la première personne avec une sorte de QTE. Ça a l'air à chier, mais vraiment génial. Donc, les trucs qui n'ont rien à voir, qu'on n'imagine absolument pas voir en FMV, mais qu'eux ont osé faire. Et ça, vraiment, ça a l'air super. À côté de ça, il y avait d'autres jeux pareils que je n'ai pas pu faire et que j'aurais rêvé de faire, comme le Sherlock Holmes Crime and Punishment, qui a l'air super. Vraiment, il a l'air vraiment très bien. Il y en a d'autres, hein, je pourrais en citer plein. Mais voilà, j'espère que tous ces jeux vont finir par ressortir parce que, en tout cas, si ça vous intéresse, les éditions de Screaming Villain sont vraiment très très bien. On a plusieurs menus, la version PC, 3D, Omega CD et aussi celle de la nouvelle version de l'anniversaire. Donc vraiment, c'est très très bien ce qu'ils font et j'espère qu'ils vont continuer. Alors enfin, la dernière étape, la troisième étape, donc l'étape actuelle, le présent, parce que voilà, il se passe des choses maintenant. Alors on a, comme j'ai dit, deux studios, enfin un créateur et un studio qui sont sur le terrain du FMV. Le premier, je vais en parler rapidement parce que j'ai pas pu faire ces jeux malheureusement. Ce mec-là, c'est Sam Barlow. Il a fait 3 jeux qui visiblement sont très bien écrits, même si très limités au niveau du gameplay. Ces jeux-là, c'est Telling Lies, Her Story et Hashtag Wargames. Les 3, j'ai envie de les faire vraiment, mais j'ai pas eu la possibilité. Je voulais tester Telling Lies, mais l'éditeur n'avait plus de code pour moi malheureusement, donc je le prendrai un peu plus tard. Mais vraiment, ces jeux ont l'air super et j'espère pouvoir les tester. Et sinon, celui-là où je peux plus vous parler, c'est donc l'éditeur Wells Interactive. Comme je vous ai déjà dit, Wells Interactive, c'est un éditeur-développeur qui est basé au Pays de Galles. Et ils font des super jeux FMV, c'est vraiment leur grosse passion. Ils font pas que ça, ils éditent aussi d'autres genres de jeux. Ils ont fait par exemple des jeux PSVR ou des jeux de stratégie. Mais en FMV, donc ils ont commencé avec le The Bunker. The Bunker qui est un jeu que j'ai pas vraiment aimé. J'ai apprécié le fait de revenir au FMV, mais j'ai trouvé que c'était trop limité. On a un seul acteur qui agit tout seul et qui est dans son bunker, hein, comme le nom l'indique, et qui va avoir des visions, des choses comme ça. Niveau gameplay, c'est très très plat, c'est presque du walking simulator.
et les cinématiques sont pas ouf, mais il y avait quand même l'effort de faire autre chose. Leur chef d'œuvre à Wells Interactive, c'est Late Shift, vraiment. En plus, il a été sur le Game Pass, je sais plus s'il y est maintenant, je crois qu'il y est plus. Et c'est un jeu vraiment super. Donc là, par contre, on est dans un vrai film interactif. Ça dure une heure, entre une heure et demie. Et on va faire des choix, mais c'est comme un jeu tel, mais en FMV. Donc du coup, on a le film qui tourne constamment. On a des petits choix à faire, des choix moraux, des choix de dialogue, qui vont nous envoyer dans différents branchements. Le jeu a pas mal de fins et des embranchements possibles très différents et quand même à plusieurs fins différentes et vraiment très très prenant. Ça part d'une histoire toute simple, c'est une sorte de casse où on est pris un peu contre notre, totalement même contre notre volonté. On se retrouve pris dans un casse pendant une vente aux enchères. Et là après on va voir, est-ce qu'on va aider les casseurs, est-ce qu'on va essayer de s'en sortir, est-ce qu'on va se barrer. Il y a plein de choses à voir, c'est vraiment très très bien foutu, très bien joué et très bien réalisé. Là dernièrement on a pu les revoir dans le même principe avec The Complex. J'ai fait un test vidéo sur The Complex, donc voilà, je vous envoie vers le lien de The Complex. C'est pas la peine que j'en dise 30 000 choses dessus vu que le test est là. En tout cas, c'était très sympa, à défaut d'être aussi culte que Late Shift. Ils ont aussi fait pareil Simulacra. Pareil, il y a eu un autre test sur Simulacra. Là, on est dans le stalking. On cherche dans un téléphone de quelqu'un pour essayer de le retrouver. Il y a Simulacra 2 qui est sorti sur PC. J'attends maintenant la version console de Simulacra 2 pour pouvoir le tester. On a aussi The Infectious Madness of Dr. Decker. J'ai fait une vidéo sur Infectious Madness of Dr. Decker. Si vous voulez voir ce que c'est, celui-là, je ne l'ai pas aimé du tout. Alors, on joue un enquêteur qui doit questionner les patients d'un psychologue ou d'un psychiatre, hein, j'ai du mal toujours à faire la différence entre les deux, et qui doit voilà, voir pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qui s'est passé, donc du coup on va creuser un petit peu, mais les vidéos tournent un peu en boucle, les questions sont un peu mal foutues, celui-là j'ai trouvé trop plat. On a Shapeshifting Detective qui est plutôt pas mal, là on revient un petit peu au jeu d'aventure, avec un détective qui peut changer de visage, donc on va rencontrer des personnages, on va leur poser des questions, on va pouvoir ensuite prendre leur identité pour essayer de creuser, ou l'identité de quelqu'un d'autre pour leur faire croire qu'on est lui. C'est plutôt bien foutu, c'est pas incroyable, mais vraiment, moi j'ai passé un bon moment. Pareil, j'ai fait un test sur Shapeshifting Detective. Donc, tout est dit là-dedans. Donc, comme vous voyez, Wells Interactive sont encore chauds, ils ont encore d'autres choses en préparation. Là, ils vont sortir un jeu qui n'a rien à voir, mais un Walking Simulator, donc on en reparlera sur la chaîne. Il y a le prochain Tex Murphy qui est en préparation. On a peut-être Screaming Villains qui projette d'autres choses à sortir. Deux jeux méga CD, ce que je croise les doigts très très fort. On a bien sûr les jeux de Wells Interactive qui continuent à cartonner. Enfin, je l'espère pour eux. Et on a Sam Barlow qui continue, lui, à faire ses trucs de son côté. Bref, j'espère que cette vidéo sur le FMV assez longue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, tout le bazar pour ne rater aucune vidéo. Rendez-vous sur Twitch pour voir le live. Il y en aura d'autres, des lives, vous inquiétez pas. Même si la conférence Sony a été repoussée malheureusement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a rien de forcé. Je ne mets pas la pression, c'est toujours un bonus. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez soutenir la chaîne, si vous abonnez à ma chaîne Twitch. Ou alors vous pouvez commander vos BD sur waxexpress.com. Comme ça, vous me soutenez et tout le monde est heureux. En tout cas, moi j'espère que vous vous porterez bien. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine, longue vie à tous. Salut !